بسم الله الرحمن الرحيم. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مشافع السؤال، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique. Nous sommes arrivés, mes chers frères, où vous nous avez suivis, et nous sommes arrivés à ce point. Nous avons parlé dans la séance passée de la mort. Nous avons essayé de définir la mort, qu'est-ce qui veut dire la mort. Et nous avons essayé de dire aussi les causes de la peur de cette mort-là. Pourquoi, quelles sont les causes qui minent l'être humain, qui dominent l'être humain, afin qu'il puisse avoir peur de la mort. Nous avons essayé d'expliquer ces causes. Et nous avons dit qu'il fait partie de ces causes, c'est que le manque de la foi. Si nous avons assez de foi, ça serait pour nous une joie de rencontrer notre Seigneur par l'entremise de la mort, parce que le monde d'ici-bas est un monde aussi très restreint, mais l'autre monde est un homme ouvert. Aujourd'hui, nous sommes ici. Il est difficile peut-être de moi de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui, mais dans l'au-delà, si nous avons la foi, nous pouvons voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons voir aussi réellement les Ahlul Bayt. Et il y a cet élément, il y a aussi le deuxième élément, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle de la mort, il y a aussi le fait d'être réellement rattaché à ces bas mondes, que nous avons dit que réellement que cela essaie de nous transformer en un serviteur pour ce monde, mais le monde a été créé pour nous, sinon nous n'avons pas été créés pour pour ce monde ici-bas. Donc, il est important que nous ne soyons pas un serviteur, un adorateur de ce monde, qu'on puisse s'adonner totalement à ce monde-là. Donc, en réalité, Dieu a créé ce monde et le contenu de ce monde pour nous, les êtres humains. Mais tout ce qui se trouve réellement, mes chers frères et sœurs, réellement, ce n'est rien d'autre que des moyens pour nous pour atteindre réellement cette perfection recherchée par Allah subhanahu wa ta'ala et l'être humain aussi. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair, nous devons essayer de faire beaucoup attention à ce que nous n'ayons pas aussi tellement peur de la mort. C'est vrai que nous avons peur parce que le monde reste réellement un monde, ce monde réellement un monde aussi très complexe ou aussi inexpérimenté, et nous n'avons pas assez d'informations sur ce monde-là. Naturellement, l'être humain, lorsqu'il veut voyager d'un pays à un autre pays, avant son voyage, s'il s'agit de sa première fois, il se renseigne d'abord de la distance qu'il va parcourir, et aussi les gens et la culture de ce monde dans lequel il veut partir, de ce pays. Et aussi réellement que s'il parle, il essaie de vérifier la culture, et aussi comment il peut vivre pendant là-bas, et quels sont réellement les fléaux qui s'y présentent à lui là-bas. Et réellement, il essaie de se poser beaucoup de questions et chercher effectivement de trouver des réponses à cette question. Parce que nous sommes dans ce bas monde, il est facile par l'entremise de l'Internet, par l'entremise de la télévision, de connaître un autre pays. Donc, il est important pour un voyageur de pouvoir maîtriser d'abord le pays, jusqu'à même on arrive réellement à la superficie de ce pays, et aussi les commodités qui s'y trouvent aussi, pour que nous puissions essayer de voir, une fois arrivés à ce pays, de quels éléments, de quelles choses nous pouvons
réellement profiter. Il faut essayer de faire une étude de cas avant d'y voyager. Et c'est dans ce cas, le cas précis, je vais parler de la vie après la mort, c'est un voyage. Mais un voyage qui reste pour l'être humain, mes chers frères et sœurs, un voyage inconnu, la destination inconnue, très floue pour l'être humain. Et c'est ce qui fait que nous avons toujours peur de ce voyage-là. Et quelque part, de se rattacher de ce bas monde, de la famille, des parents, de sa femme, etc., de sa fortune, pour un autre monde, là où la fortune n'a pas de question, n'a pas de valeur, mais seulement que les œuvres que vous avez posées dans ces bas mondes qui seront aussi considérables dans ces mondes-là. Donc, mes chers frères et sœurs, il est naturel que nous puissions avoir peur, mais cette peur ne doit pas aussi nous menacer et nous affaiblir psychologiquement, mais elle doit réellement essayer de nous construire. Construire à l'aller, de rectifier les erreurs commises et par la repentance, et aussi réellement de forger une fois de plus sa foi. Et nous avons parlé aussi des gens qui puissent réellement retirer l'être humain, l'âme de l'être humain, l'esprit de l'être humain, afin qu'ils puissent connaître cette mort-là. Tantôt il est dit dans le Saint-Coran que c'est Malakul Maut, c'est-à-dire que Azraïl, et tantôt c'est dit que ce sont les anges, Rusuluna, mes envoyés. Donc en réalité, lorsque vous essayez de voir cela, on parle de cet envoyé-là pour que nous puissions réellement comprendre que l'islam, il y a des intermédiaires dans l'islam, parce que lorsque les envoyés ont pu réellement effectuer une œuvre, donc celui qui a pu effectuer l'envoyé et l'envoyé, ils sont tous réellement responsables de cet acte-là. Mais en réalité, il faut comprendre que c'est le Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'acteur principal de tout acte qui se produit dans ce bas monde. Parce que les anges ne sont que des moyens pour vraiment accomplir certains actes. Il y a cela. Donc, lorsque nous avons compris cela, mes chers frères et sœurs, on n'aura plus de peur. La pluie ne veut pas essayer de nous menacer une telle chose. Donc, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions essayer de voir lorsqu'on parle de la mort aussi, c'est tout à fait simple, ce n'est pas aussi compliqué, ce n'est pas aussi complexe, mes chers frères et sœurs, mais lorsque nous avons la mort, nous avons la tranquillité, si nous avons pu réellement profiter de cela. Et c'est ce que le Coran nous dit, il dit qu'il a créé la mort. Il a créé la mort et la vie, afin qu'il puisse réellement nous éprouver. La mort, de l'autre côté, c'est un rappel pour nous. Mon frère, celui-là, il est parti de ce monde à un autre monde inconnu. Peut-être que demain, ça sera ton tour. Donc, essaie de rectifier ton comportement, de corriger tes erreurs. Une fois que les erreurs sont corrigées, mes chers frères et sœurs, non, alors nous nous préparons concrètement à rencontrer, à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la rencontre aussi de cette mort-là. Donc, c'est tout à fait simple, ce n'est pas aussi très difficile, mes chers frères et sœurs, que cela. Une fois que nous avons, mes chers frères et sœurs, cet élément, c'est tout à fait, cet élément peut réellement nous construire intérieurement, psychologiquement, de pouvoir mieux accueillir réellement la mort. Ça fait partie des éléments essentiels. Donc, le fait d'accueillir la mort, l'élément essentiel, ce n'est rien d'autre que, mes chers frères et sœurs, la repentance. Il faut toujours y penser, la repentance. C'est pour cette raison, mes chers frères, nous avons dit dans l'émission passée que un fidèle musulman, il est demandé chaque jour que Dieu fait avant de dormir, de se repentir, de comptabiliser tous ses actes qu'il a pu poser pendant la journée. Et si ce sont de bonnes œuvres, qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il puisse lui donner assez d'énergie pour continuer dans ce sens. Mais lorsqu'il s'agit des actes aussi négatifs, des péchés, il est demandé au serviteur de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, de se repentir, et cette repentance est très importante, mes chers frères et sœurs. Et vous allez trouver que le Coran nous dit « Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahirin ». Il aime réellement ceux qui se repentent, mais il aime aussi ceux qui s'empêchent réellement de commettre effectivement des erreurs et des péchés. Donc, mes chers frères et sœurs, les péchés sont là lorsqu'il s'agit d'une erreur. L'erreur est pardonnée par Allah subhanahu wa ta'ala.
parce que ça ne va pas en concordance avec la volonté. La volonté, nous sommes jugés avec l'acte que la volonté et l'intention accompagnent. S'il n'y a pas l'intention et l'acte est contraire à ce qui est dans l'intention, s'il s'agit d'une bonne intention, nous profitons, nous gagnons des mérites. Mais lorsqu'il s'agit d'un mauvais acte, que l'acte, l'intention et la volonté vont dans le même sens que l'acte, mes chers frères et sœurs, nous sommes jugés et négativement et nous allons avoir réellement des pots cassés pour cela. Mais après, ce qui est plus important, mes chers frères et sœurs, lorsque la mort vient, et nous avons tous le temps de se repentir, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque jour que Dieu fait, nous devons essayer de prononcer Astaghfirullah 100 fois. Et le prophète, il a été dit que le prophète a dit que moi, je fais istighfar, je demande pardon à Dieu 70 ou 100 fois dans la journée, mais sans aucun péché. Mais nous, les êtres profanes, nous devons demander plus à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Et ce pardon est très important, mais il a aussi une limite. La repentance a une limite. La limite de la repentance, il s'agit lorsque la mort se présente à une personne, la repentance n'a pas de sens. Donc il est important, lorsque nous ne nous trouvons pas devant la mort, que nous avons réellement la conviction que nous allons quitter ce monde et sans ce monde-là que nous voulons essayer de se repentir, la repentance n'a pas de sens. Donc mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions également faire attention à cela et de se repentir et revenir sur les bons chemins, le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et corriger réellement nos erreurs. Mes chers frères et sœurs, il y a cela. Lorsqu'on parle de cette mort, il y a aussi, après la mort, il y a une vie qu'on appelle la vie intermédiaire. Intermédiaire, c'est-à-dire al-barzakh, qui est une vie qui se présente à nous avant le jour de la résurrection. La vie intermédiaire, on parle de cette vie intermédiaire parce que c'est une vie que l'être humain mène entre la vie d'ici-bas, qui est basée d'abord sur le physique et la spiritualité, et aussi l'au-delà, qui aussi a une règle aussi très précise. Aussi, mes chers frères et sœurs, cette règle se trouve. Il y a une partie de cette règle qui va en accord avec la vie d'ici-bas. Je vais parler de la vie intermédiaire. Et l'autre aussi en accord avec le jour de la résurrection. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est une nouvelle vie, mais une nouvelle vie que nous n'avons pas aussi l'acte que nous ne pouvons pas présenter. Nous n'avons pas aussi l'acte aussi valable afin que Dieu puisse nous comptabiliser ces actes et nous donner des récompenses. Non, une fois que nous mourons et nous quittons ce monde, tous les actes s'arrêtent sur quelques, sauf quelques-uns. Si vous avez donné une connaissance et la connaissance à un enfant et l'enfant est devenu un grand savant qui ne fait que produire et aussi donner aussi, à chaque fois qu'il y a une continuité, vous profitez de ces mérites-là. Si vous avez essayé de creuser un puits pour les gens, que ce soit des musulmans ou non-musulmans, pour qu'ils puissent également l'utiliser pour leur vie quotidienne. Tant qu'ils l'utilisent, vous avez les mérites. Vous avez la sadaqa jariya, c'est ce qu'on parle, la sadaqa continuelle, perpétuelle. Il y a aussi, lorsque vous avez un bon enfant, un enfant qui est né de vous, vous avez pris la charge de lui donner la vie, de lui garantir la subsistance, et essayer, il a grandi, il est devenu un être humain majeur. Lorsqu'il prie pour vous, mes chers frères et sœurs, vous recevez réellement ses prières. Donc, il est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions effectivement faire attention à cet élément-là. Une fois que nous avons cet élément en place, pour dire que la repentance n'est pas aussi acceptée lorsque la mort se présentera à nous. Donc, dès maintenant, nous devons essayer de reformuler notre intention de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et aussi de faire la repentance et par disant « Astaghfirullah » et demander pardon à Dieu. Donc, mes chers frères et sœurs, et cette vie, je vais dire la vie intermédiaire, elle a ses conditions, comme il a été dit, et les conditions sont là. La vie, peut-être que l'être humain, lorsqu'il meurt, dans cette vie, il peut quelque part s'insérer dans la vie quotidienne de ses parents. Vous voyez ? Donc, en réalité, il ne profite pas totalement de cette vie, ici, la vie physique, et aussi de l'autre côté, il ne peut pas aussi profiter réellement de cette vie qu'on appelle le jour de la résurrection. Donc, on parle de Al-Barzakh, la vie intermédiaire, c'est parce que là-bas, il y a la capacité de se déplacer
la capacité de rendre visite à ses parents, la capacité de voir ce que ses enfants font pour lui et ce que ses enfants font pour lui, et etc., etc., etc. Vous voyez? Donc, en réalité, c'est dans ce cadre-là, lorsque le défunt, celui qui est décédé, prie pour ses enfants, il y a des effets. Lorsque les enfants prient pour ce défunt, il y a aussi des effets. Mes chers frères et sœurs, dans ce sens-là, il est important que nous puissions aussi prier pour nos morts parce qu'ils ont besoin. Dans l'au-delà, ils n'auront plus besoin le jour de la résurrection de nos prières. Mais ici, dans cette vie, la prière, ça fait partie de la particularité de la vie intermédiaire, c'est que la prière, lorsque le défunt est dans la vie intermédiaire, la prière a un effet sur sa vie là-bas. Vous voyez, ça peut effectivement et aspirer ses péchés, ça peut aspirer le rapprocher de Dieu et aussi réellement d'affaiblir le châtiment qui se trouve sur lui, et etc., etc. Donc, le châtiment qu'il est en train réellement de subir, ça peut affaiblir ou anéantir même le châtiment afin que Dieu puisse le pardonner. Donc, mes chers frères et sœurs, il fait partie de notre obligation en tant que des enfants, des parents, ou en tant que des frères, de prier pour nos défunts. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est pour cette raison qu'il est demandé, lorsque quelqu'un rentre dans la vie intermédiaire et qu'il n'a pas posé des bonnes œuvres, mes chers frères et sœurs, en réalité, voilà ce qu'il dit. Il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, « La'alli a'amalu salihan fi ma taraktu. » Et il dit, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le faire retourner. Il a vu la réalité de cette vie. Fais-moi retourner à Allah subhanahu wa ta'ala, afin que je puisse poser des bonnes œuvres. Mais Dieu dira non. Ici, là, il n'y a pas de retour. Kalla. Innaha kalimatun huwa qa'iluha. Wa min wara'ihim barzakhun. Il dit non. Tu ne peux. Celui qui le dit réellement, il n'y a pas une autre opportunité de retour. Tu ne peux te retourner. Après cela, ce n'est rien d'autre que la vie intermédiaire. Vous devez vivre. Ça fait partie de la continuité. Vous ne devez pas revenir en arrière. Vous devez partir de devant parce que ça fait partie de votre trajet. C'est un trajet que vous devez voir. Mais il suffit réellement, mes chers frères et sœurs, de travailler sur ce trajet. Hier, il a dit que « Barzak ila yomin yuba'athoun » C'est une vie intermédiaire jusqu'à ce que le jour de la ressuscitation, le jour de la rétribution puisse arriver. Donc, il est là-bas en attendant le jour de la rétribution. Mais lorsque ses enfants prient pour lui, il a aussi le mérite de ses prières. Il y a aussi dans la vie intermédiaire, mes chers frères et sœurs, le questionnement conscient, on peut s'exprimer ainsi, des anges, à ce qui concerne celui qui a été apporté à cette vie par la mort, en travers la mort. Il y a des questions que les anges, « Al-Munkir wa Nakir » qu'il vient essayer réellement de lui poser des questions et concernant Allah subhanahu wa ta'ala, concernant son prophète et concernant aussi son imam, concernant aussi réellement beaucoup de choses, même le livre de Dieu, etc., etc. Et les anges vont se présenter lui poser ces questions afin qu'il puisse répondre. S'il a pu répondre favorablement, mes chers frères et sœurs, on dit que « Imma » C'est-à-dire qu'on essaye de creuser un trou qui s'entremènera, qui va s'emmener réellement, ou qui s'aboutira, mes chers frères et sœurs, à l'enfer ou au paradis. Si la réponse est favorable, au paradis. Si la réponse réellement n'est pas favorable, l'enfer que le Seigneur nous en garde. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a cette vie qui se trouve, et cette vie aussi très complexe, mes chers frères et sœurs. Oui. Et si ce que nous sommes en train de parler réellement, est-ce que nous avons des preuves pour cela? Nous n'avons pas de preuves. Les preuves, seule preuve pour nous, c'est ce qui a été récité dans le Saint-Coran et c'est ce qui existe réellement
dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qui nous suffit réellement. Aujourd'hui, vous n'allez pas trouver un savant musulman qui nie réellement le jour de la résurrection ou la vie intermédiaire. La vie intermédiaire, tout le monde l'accepte, tel qu'on accepte le Coran, on accepte aussi le contenu du Coran. Donc, en résumé, mes chers frères et sœurs, la mort ne doit pas nous faire peur, mais ça fait partie de notre vie. Comme la succession de nuit et jour font partie de notre vie, le soleil fait partie de notre vie. Et mes chers frères et sœurs, la santé et la maladie font partie de notre vie. Et effectivement aussi, la mort fait partie de notre vie. Il suffit chacun à un moment aussi très précis, à un délai précis, lorsque le délai se présentera à nous, il n'y aura pas de plus ni de moins. Donc mes chers frères et sœurs, il vaut mieux maintenant que le trajet forcé que nous avons, afin que nous puissions réellement, il faut que nous puissions réellement se préparer pour ce trajet, pour rencontrer cette mort, la mort n'être qu'une porte qu'on rentre pour sortir dans un autre monde. Donc mes chers frères et sœurs, il ne faudrait pas avoir la mort, mais il suffit réellement de préparer la mort. Si nous avons préparé la mort, nous n'aurons pas peur de la mort, et si nous ne nous rattachons pas trop dans tout ce qui se passe, tout ce que nous avons dans le monde ici-bas, mes chers frères et sœurs, nous allons nous rattacher à l'autre vie et nous allons aussi essayer de travailler davantage. Mais si nous ne travaillons pas davantage, mes chers frères et sœurs, vous allez voir que toujours nous serons menacés par cette mort. Et nous sommes menacés par cette mort, et réellement nous allons essayer d'oublier certaines choses et nous serons ici contrôlés par cette peur et la peur va nous dominer et nous n'allons pas faire quelque chose de concret. Donc il est important que nous puissions avoir peur de la mort, mais que cette peur soit une peur constructive, mais une peur aussi qui puisse réellement être un poids pour nous de ne pas réagir et poser des bonnes œuvres, mes chers frères et sœurs. Donc la mort faisant partie de notre vie, il suffit de la préparer. Une fois qu'elle est bien préparée, nous allons réellement passer par cette mort comme étant bien. Nous passons par la porte de notre maison pour entrer dans la maison ou nous passons par la porte de notre maison pour accéder au dehors de mes chers frères et sœurs. La mort est ainsi. Mais si vous travaillez mieux, si vous travaillez davantage, la mort devient alors réellement très facile et paisible pour vous. Mais si vous travaillez réellement négativement, vous commettez des péchés chaque jour que vous faites, et le péché va être lourd sur votre poitrine et la mort devient encore une mort très difficile. Et c'est ce que le Coran nous dit, Inch'Allah, dans la semaine prochaine, nous allons essayer de vous dire les différents points des morts et nous allons essayer de vous expliquer aussi les catégories des morts. Il y a des gens qui meurent dans la présence, dans l'aisance, mais il y en a d'autres qui meurent dans les difficultés et qui se mordent. Ils rentrent dans cette porte, dans la difficulté. Et qu'est-ce qui fait, quelles sont les causes de cette difficulté? Inch'Allah, nous allons essayer de vous expliquer, Inch'Allah, davantage, mes chers frères et sœurs, sur la mort. Et sur ce, je vous dis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.